Chapitre 36. Monsieur Marin vient de terminer son cours. Nous avons pris des notes sans rater un mot, même si c'est le dernier jour. Il s'est arrêté un quart d'heure avant la sonnerie pour que nous ayons le temps de ranger la classe. Nous sortons de la salle. Les élèves le saluent avec chaleur. Au revoir, monsieur Marin, bonne continuation, bonnes vacances, reposez-vous bien. Au moment où je passe la porte, il m'interpelle. Mademoiselle Bertignac? Oui, je voudrais vous donner quelque chose. Je m'approche de son bureau. Il me tend un vieux livre recouvert de papier kraft. Je le prends, l'ouvre à la première page. Je n'ai pas le temps de lire le titre, seulement son nom, écrit à l'encre bleue. Pierre Marin, 1954. C'est un livre qui a été très important pour moi quand j'étais jeune homme. Le papier est jaune, le livre semble avoir traversé 4 ou 5 siècles. Je le remercie, je suis seule dans la classe avec lui, très intimidée. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut dire dans ces cas-là. Je suis sûre que c'est un très beau cadeau. Je remercie encore. Je me dirige vers la porte, il m'appelle de nouveau. Mademoiselle Bertignac? Oui, ne renoncez pas.